Eh bien bonjour à tous et à toutes, et c'est Buranox. Nous sommes sur Rocks, un petit jeu sympa disponible sur Steam pour 10€. Donc alors, il est en anglais. D'accord, game mode, on va laisser. Alors c'est la première fois que je le lance avec vous, c'est vraiment une vidéo découverte et détente, parce que c'est le genre de jeu vraiment détente. C'est un good game, donc c'est-à-dire un jeu où l'on incarne les dieux et on doit faire évoluer la population en pouvant modifier l'aspect du terrain en faisant pousser des arbres, apparaître des montagnes ou des choses comme ça. Donc alors presse une touche pour commencer. C'est fait. C'est parti. Alors, il est en anglais, donc je ne vous garantis pas les traductions exactes, mais apparemment ça c'est la planète. Alors avec la molette on peut zoomer, d'accord. On peut tourner la planète, ok, jusque-là tout est logique. Avec les flèches on peut aussi la faire tourner, d'accord. Ok, donc on va voir ce que ça donne. Je me réjouis vraiment, j'adore vraiment ce genre de jeu. Alors là, ça doit être le dieu de la mer, d'après l'introduction qu'on a vue. Ça doit être le dieu des montagnes, de la roche. Je pense plutôt des montagnes. D'accord, donc. Alors. Bon, d'accord. Ok. Sélectionne un géant. Avec le bouton gauche. D'accord, on sélectionne le jeu. Ah, le géant avec le bouton gauche et le bouton droite pour le déplacer. D'accord, c'est très intéressant. D'accord, et ça fait quoi? Ah, si on sélectionne le sol. Ok, on doit sélectionner ce géant d'abord. Non. Ah, on peut voir les statistiques du sol, ok. D'accord, tout s'explique. Ok. Alors, avec lui, on doit avoir une habilité pour créer un océan. Genre ici, on va créer un océan. Fuck yeah. D'accord, il est plus loin, tranquille. Toi, tu vas peut-être pas rester là, sinon tu vas te noyer, là. On a créé un océan. D'accord, l'océan est une divinité. Ah, ça, c'est notre dieu des plantes. On dirait un singe. Alors. Ah, d'accord, il peut créer des forêts. Donc, il a pris le truc pour créer des forêts. Donc, on va créer une petite forêt par ici. On va voir ce que ça donne. Ah. D'accord, c'est déjà fort sympathique. Alors ça nécessite l'eau de l'océan. D'accord, je pense que on va créer une montagne maintenant. Create un désert. Un désert. On va le créer ici. On va voir ce que ça donne. Excusez-moi. Fuck yeah. D'accord, carrément, toi tu
plus c'est pas. Il y a l'eau. Ah, il y a des petits arbres, c'est sympa. Alors. Ok. D'accord. Créer une habitation. Un pays habitable. Merci. D'accord. C'est un petit résumé. Donc, il faut créer une zone habitable. Donc, c'est-à-dire, toi tu vas. Non, toi, tu. Oui, il a éternué. Tu vas venir là. Toi, tu vas rester par là. Bon, toi, là. Toi. Donc, oui, bon, toi déjà, on va prendre Monsieur le singe, le babouin ninja. Et on va faire une zone ici. Voir ce que ça peut donner. Apparemment on peut pas, ou à... non, je sais pas, on va essayer quand même. Non, on peut pas. Alors, d'accord, bon, bah, je sais pas trop qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. On va peut-être essayer de créer un autre océan. Excusez-moi, je suis toujours un petit peu malade, mais ça va mieux. Apparemment, il faut qu'il y ait des niveaux, des choses comme ça. Je pense que oui, comment est-ce qu'on débloque ça? Cold. D'accord. Bon, on va essayer de faire quelque chose avec lui. Genre, par ici, voir ce que ça donne. Un désert entouré d'eau. Ça peut être sympa. Maintenant, on va laisser créer son petit désert. Donc, c'est vraiment une vidéo toute détendue. Et puis, le désert se transforme en forêt. Ok. Alors, c'est parce que je lui ai demandé d'implanter une forêt et qu'il l'a implantée entre deux. Alors, d'accord. C'est bien joli, mais je ne sais que faire. Bah, je sais pas, écoutez les gens, on va essayer de créer une montagne. Bah écoutez, on va voir peut-être qu'en mettant ça ici, qu'est-ce qu'on a dessous? Ah d'accord, peut-être qu'en refaisant une montagne, ça peut faire quelque chose. On va tester, hein. C'est vraiment de la découverte. En se détendant tout simplement. Alors je pense qu'en fait les chiffres correspondent aux zones de chaque personnage. Peut-être pas, c'est peut-être une sorte de niveau. Alors il continue de faire monter le niveau du sable. Donc apparemment on peut continuer de faire monter niveau, on peut faire une. Ah non, on peut pas. On ne peut point. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? J'ai fait quoi? Ah non, d'accord, c'était juste une animation. On va créer une petite forêt là. Ah bon, oui, on peut. Mais on peut pas. Une petite forêt par ici. Si on peut, je ne sais point. J'essaye, hein, je découvre. D'accord, ça refait la forêt par là. Alors, il n'y a rien d'autre autour de cette planète? Non, d'accord. Donc, je suis un peu un poil perdu de ce qu'il faut faire. Alors, il faut créer une zone habitable. Bon, à mon avis, il faut faire une plus grande zone. Comment dire? Non, c'est pas ce géant que je veux, toi tu restes là. Plus grande zone. D'herbe. Parce que c'est bien joli la planète, mais elle est moche là. Elle est pas très jolie de ce côté. Alors on va mettre un peu d'herbe partout. Donc monsieur se déplace. Il faut expérimenter les différents effets. D'accord. Donc qu'est-ce qui se passe si on prend monsieur le crabe là, et qu'on rebalance un océan ici? Attendez, pouvez-vous ici. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il n'y a pas l'air de se passer. Un truc, je sais pas. On va regarder s'il se passe quelque chose. Ok, ça grandit simplement l'océan. Il plonge la forêt dans l'eau. Ça, c'est pas gentil. Et le petit coquin. Alors, lui, on te disait donc, je veux que tu crées une forêt. À mon avis, il faut que j'utilise un peu les différents personnages pour que. On va mettre un peu d'herbe sur toute cette terre. Alors, il me faut. Toi pour faire un océan par ici pour alimenter tout. Toi tu vas venir là et puis lui il va aller de ce côté faire une putain de montagne. Ok, ça vous va? Et toi ben tu vas rester ici. À mon avis il faut remettre un peu de beauté sur cette terre qui est pas très très jolie. Putain j'ai du boulot, ça va. Alors
Ils sont pas très rapides par contre, je sais pas s'il y a moyen d'accélérer la vitesse. L'océan de gens peut créer des océans qui font. D'accord. Je ne comprends pas tout. Il y a des choses qui m'échappent. Maintenant, on a plusieurs pouvoirs que on ne peut pas encore utiliser. Donc toi, tu vas créer une montagne. Par ici, jusqu'ici. Et le géant de Dodo, il est passé là. Toi, je voulais que tu crées un océan ici. Alors, jusqu'où il s'étend ton océan? Tu vas le créer. Ah, voilà. On a débloqué la zone habitable. On a dû avoir des humains qui se sont installés quelque part. Alors, ça nous a fait un désert. Ici, c'est pas très, très joli. Un grand désert. Et puis, on a toujours une grande zone vide. Et lui. Oui, ok, peut-être que ça l'a stoppé le fait. Ok, apparemment, je pense que des humains vont apparaître, ça va devenir intéressant. Oui, bah, tout ça c'est vite, je sais. Parce qu'ils sont apparus ces humains. Ici. Alors, tu as accompli le but, enfin le but, tu as créé un océan, une forêt, une montagne, un désert. La vie va commencer à arriver dans ton pays. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Alors, the first error has been complete. En fait, je pense que c'était le tutoriel. Hey, c'était le tutoriel. On s'est fait troller. Ce n'est pas grave, ce sera l'épisode tutoriel. De toute façon, on se détend. Si ça vous plaît, vous pouvez pas hésiter à me le dire. Je vous ferai éventuellement d'autres vidéos dessus. Je pense qu'on a le temps de se faire le deuxième tutoriel. Donc, ce qui s'appelle des eras, ce sont les tutoriels. Et puis là, il faut que j'appuie sur next. Donc on a une nouvelle planète. On va voir ce que ça donne. Donc tac, le dieu des océans, des forêts et celui des montagnes. Ah non, on n'a pas les montagnes. Alors il faut utiliser lui pour faire tac et lui pour faire une forêt. Donc on va les laisser bosser. Hein. Vous me faites quelque chose de joli. Bon, toi, j'ai été trop rapide. Donc, j'attends que monsieur irrigue la terre. Et voilà une forêt. D'accord. D'accord. Ah, voilà. Apparemment, on peut faire après des fruits. Ça a l'air intéressant. Et on a 30 secondes de récupération. D'accord. Est-ce que. Oh, voilà. Ouh, un village. Yeah, fuck yeah. Next. Les humains sont arrivés. Faut cliquer sur un village. Excusez-moi, vraiment, j'ai un peu la toux. Alors, ça met ce que a besoin le village. Ça c'est quoi? C'est du minerai, ça c'est de l'eau. Donc c'est intéressant. Il faut apprendre les villages. Ils ont besoin de 1. Ils ont besoin de 5 nourritures et peuvent en avoir maximum 5. Alors, ok, bon ça explique, c'est assez logique. Voilà, il faut que j'en donne plus de fruits. Donc on va en mettre genre par là aussi. Ça leur fait des fouets. Il faut qu'il les récupère par contre. Là c'est bon, next. Alors. Maintenant apparemment. Ah non. D'accord, apparemment. Bon. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est la tribu des Red One. C'est les coureurs rouges. Où est ma souris? Là. Il faudrait que je plante des autres arbres. On va continuer, hein. On plante tous les arbres par ici. Et... D'accord, c'est un blueberry. C'est un arbre rouge. Ah voilà, apparemment on a augmenté à 10. Maintenant qu'on leur a donné les 5. C'est très intéressant. Le village est content. Est-ce que le village est content? Toi tu sers à rien en attendant. D'accord.
Donc planter des fruits, ça on commence à connaître. C'est pas mal, c'est pas mal. On avance gentiment. Ce jeu est génial. Je vous le conseille fortement. C'est pas forcément plus intéressant à regarder, mais c'est juste de la détente pure. Peut-être que je les ai mis trop loin, les arbres. Ils sont en train de couper tous les arbres, là. C'est sauvage, là. Eh oh, on se calme. Je vous donne encore quelques trucs. Et le village, il en a quoi avec ses pommes? 7 sur 20. Ils en font 8, ils en ont 8. Ok. Donc, apparemment, ils ont agrandi. Ils font une granary, ça doit être une grange. Ils ont besoin de... Ok. Project patch. Où est le project patch? Voilà. Attendez. Spécialisation. Ouais, il leur faut de la nourriture apparemment pour continuer. Ah non, des minerais. Ah oui, minéral. Effectivement. Ok, ça requiert des pommes. Alors, utilise le géant pour... Alors, où est-ce que ça se pose ça? C'est bien joli, mais apparemment c'est des animaux domestiques. Ça se pose par là? Non, là, ici? Je sais pas. Oui, dans la forêt. Ça leur permet d'avoir des animaux, si j'ai bien compris. Je sais pas pourquoi c'est le dieu de la mer qui fait apparaître des animaux, mais... Ok, il y a des boules! Fuck you! Les animaux ont un effet sur la zone. Clique sur les animaux pour avoir des infos. Le quiz qui sont là. On a les animaux là. Non, attendez, ma souris déconne un petit peu. Voilà des chicons. Ah ah, d'accord. Il peut faire des transmutations en lapin et en marmotte, je crois. Ils ont besoin de plus de nourriture. Ouh là là là. Qu'est-ce qui se passe? Ça devient compliqué là. Qu'est-ce qui se passe cette fois? Je pense que je me suis à quelque chose à me dire. C'est l'ombre, vous avez eu une information positive sur le village qui vous a décerné. Non, l'ambassadeur se joint à vous. Ok, je vais pas tout capter, mais ce n'est pas grave. Ah, voilà le géant de montagne qui vient ramener sa fraise. Hey! Ah, il a une nouvelle habilité. Le géant, il n'a pas d'avis. Je texte Bobble. Ok, il faut qu'on aille vers le truc là. L'ambassadeur. Ok, j'ai pas tout capté, mais c'est pas grave. Il se voit que. Attendez, c'est où là? On va l'utiliser ici. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça va faire apparaître des minerais. Pressus Minerals, level 1. C'est très intéressant. Donc ça leur donne une source de minerais. Ça vous met un petit peu plus. Yeah, c'est pas mal. D'accord, ça devient très intéressant. Bah les gens, je pense qu'on va les laisser gentiment là-dessus. Alors, attendez, on va placer plus de minerais. Non, le minerais, il faut symbiose. Non, d'accord. Ah, il faut mettre plus de minerais pour booster les ressources du village et être attentif aux symbioses. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment une vidéo détente. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres épisodes. Je vous referai pas les tutoriels. Je pensais pas qu'on aurait les tutoriels. Mais ça peut être fort intéressant d'aller un poil plus loin dans cette série, si ça vous plaît. Donc, sur ce, je vous dis une bonne fin de journée. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez aimé cette vidéo. Au revoir les gens, bonne fin de journée. Ce truc... Oh mon dieu, il a fait un saut de lapin. Au revoir.